Tu ne peux pas attraper les 150 Pokémon tout seul. Il faut les échanger avec un copain. Bonjour à tous et à toutes, c'est Ryoga et je suis en compagnie de Mademoiselle S. Hello. Comment allez-vous? Ça va super. On a vu Pokémon Rouge, maintenant on va voir Pokémon Bleu. La version verte. Ah bah non, la version verte elle est sur Game Boy Advance, c'est nous. Oh. La version bleue. Alors vous d'ailleurs, vous étiez plutôt version rouge ou version bleue? Ça c'était le thème du dernier Splatoon non, mais Festival. C'est quoi la différence d'ailleurs? Ah oui, bah j'attendais que vous me posiez la question tout à l'heure. Effectivement, ah, pourquoi deux versions? J'y ai même pas pensé. Bah, deux versions... L'histoire change. Non, mais alors pas du tout en fait. C'est-à-dire que c'est exactement le même jeu, sauf que dans une cartouche et dans l'autre, il y a des Pokémon différents. Non. Du coup, ça incite les gens à acheter deux versions pour avoir tous les Pokémon, ou alors d'acheter deux versions, un pour le petit frère et la petite sœur, ouais, qui puissent échanger des Pokémon, ouais, ou alors chercher les gens qui ont la version qu'on n'a pas pour pouvoir leur échanger des Pokémon. Mais combien de Pokémon diffèrent d'une version à l'autre? Une vingtaine. C'est tout. Une trentaine, sur 150, ouais. D'ailleurs, bon, bah voilà, petite anecdote, on connaît tous la liste des Pokémon, des 150 Pokémon, premiers Pokémon par cœur. Par cœur? En tout cas, je l'ai connu, hein, voilà. Par cœur? Ouais, ouais. C'est impressionnant, ça, en cours de poésie, de la cité. Oh, bah, je suis sûr qu'il y en a qui ont essayé, hein. Alors, Pokémon version bleue, bah, c'est le même jeu, alors on va continuer la partie. Et le joueur s'appelle Advance, donc ça c'est clairement une partie que j'ai fait du temps de la Game Boy Advance. Il y a juste 15 heures de temps de jeu, donc il y a 5 badges et 27 Pokémon, donc c'est vraiment une petite partie. Sur 150 ? Sur 150, ouais. Mais est-ce que c'est des jeux que les gens rejouent régulièrement comme ça et alors moi je rejouais. Je recommence à partir de zéro. Je rejouais parce qu'en fait, du temps des versions suivantes, or et argent, on pouvait continuer à transférer ces Pokémon de bleu et rouge vers les autres versions. Donc on avait intérêt à continuer à jouer aux anciennes pour pouvoir d'accord les échanger. Par okay contre, grosse stupeur chez les joueurs, c'est que... ah bah oui, forcément c'est une partie en cours, donc là, voilà, c'est parti. Les fameux combats de Pokémon. Ah oui, ça y est, parce que là, c'est pas la... on n'a pas fini le jeu. Mais j'ai pas fait le jeu, on donc en fait, je croise des tas de dresseurs, et quand on croise leur regard... Mais non, pas du tout, tant mieux, comme ça on fait un ça combat contre nageur. Il lance Poissirène, hein, des... Ah ouais. Alors... Donc lui, on peut l'attraper si on veut. Oula, non, on ne peut pas attraper... Alors, je vous rappelle quand même les bases de Pokémon. Ah oui, les Pokémon des autres. On ne peut pas attraper les Pokémon des dresseurs. On peut attraper les Pokémon sauvages. Exactement. Ça vous va. Avez bien retenu votre leçon. J'ai compris. Et c'est quoi cette histoire d'un jeu Pokémon dans la vraie vie, là? Ah, vous voulez parler de Pokémon Go? C'est ça. C'est une application pour smartphone qui va sortir normalement en mars. Donc, très bientôt. Et qui va permettre, un peu comme il y a eu cette application pour le poisson d'avril en 2014, de géolocalisation des Pokémon. C'est-à-dire, ah ouais, avec votre smartphone, vous allez pouvoir biper un peu alentour, voir... Pourquoi on est là? J'ai perdu? Bon, bien, je sais pas. Ah oui, j'ai perdu. Alors du coup, j'ai perdu et on m'a piqué mon argent. Oh. Mais alors, on a même pas regardé ce que j'ai comme Pokémon. Et comme argent. Mais j'ai que Soporifique, il est niveau 12. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça? C'est pas possible. À mon avis, j'ai dû exporter les Pokémon de cette version pour... Sur une autre carte. Ouais. Et alors, je parlais des or et argent, mais il y avait aussi les versions 64. On pouvait figer ces cartouches dans un adaptateur pour la Nintendo 64. Ah ouais, non, je vais essayer de pas l'affronter. Oui. Mais en même temps, il faudrait que... Ah, non, on peut pas. On va essayer de capturer un Pokémon sauvage. Ah bah, ça pourrait être chouette, ouais. Parce que là, je vais pas aller bien on loin. On en a qu'un. Je vais pas aller bien loin avec ça, et en plus on peut pas aller plus loin vers le bas parce que c'est des zones d'eau. Ah ouais. En plus, il y a une arène, donc un ah ouais champion Pokémon, je peux absolument pas le battre avec un Soporifique niveau 12, quoi. Donc il faut faire du leveling. Non, c'est pas tant du leveling que choper d'autres Pokémon. Et dans les objets, est-ce que j'ai des Pokéballs, quoi? Ouais, j'ai deux Super Balls, donc là on a deux chances. Et est-ce que j'ai de l'argent? Je sais pas, je viens d'en perdre plein, là. Ah mon dieu! Oh, ils sont méchants, ils sont partout! Je fouille les hautes herbes pour y trouver des Pokémon. Oui, bah moi j'aimerais bien aussi, ouais. Oh mon dieu. Il veut nous attaquer. Mais il veut prendre tout notre argent surtout. Parce qu'on perd la moitié de son argent à chaque mais fois qu'on perd un combat de dresseur. Dans la rue, en fait. Ah oui, complètement, oui. C'est du harcèlement. Alors je peux même pas fuir. Mais c'est un jeu qui parle du harcèlement. Oh bah ils sont au niveau 29. Qu'est-ce que je peux faire? Rien du tout. Je vais encore me faire avoir. Tu peux pas l'endormir, ton nom c'est. Hypnose. Allez hop là! Non! Et voilà, bah en un coup, oui, forcément. Je sais pas comment je me suis retrouvé dans cette situation. C'est drôle. Alors, combien il me reste d'argent? Zéro. C'est surtout ça. Bah oui, zéro. Ah non, quand même, oh! Beaucoup de sous! Ah oui, on va acheter plein de trucs. Super beaucoup de sous!
Alors, où est-ce qu'on peut acheter... Aucun Pokémon ? On peut pas acheter des Pokémon ? Ah non, on peut pas acheter des Pokémon. Parce que là, on a des sous. D'ailleurs, dans si je ne m'abuse, dans aucun épisode classique, on peut acheter des Pokémon. Faut faire l'effort. Et peut-être en achat in-app, dans l'appli, on pourra acheter des Pokémon. Pardon. Sûrement, oui. Non, mais je sens bien que Pokémon Go, ça vous tient à cœur. On n'a pas non plus énormément d'informations pour l'instant, parce que... Une petite vidéo trailer en ligne. Alors, je voudrais... Qu'est-ce que je voudrais ? Acheter. Est-ce que voilà, je voulais vérifier si mon Pokémon est à toute son énergie ou ce que oui, ils l'ont remis son énergie. Ensuite, est-ce que j'ai des Pokémon dans la boîte ? Je sais pas. Je sais pas non plus. On va regarder. Pourquoi il y a Léo chien Advance ? Alors c'est Léo, c'est celui qui gère le stockage des Pokémon. Advance, c'est le nom de mon personnage, et Chien, c'est Chen en fait, c'est le professeur Chen. Donc c'est le grand maître des Pokémon. D'accord. C'est professeur Chen. Le grand maître, mais on peut pas accéder à son ordinateur quand même. Non, mais on peut lui parler parce que c'est lui qui nous donne des. C'est lui qui nous donne des. Fais Skype quoi. Alors on a alors retiré. Il n'y a aucun Pokémon, donc je suis vraiment dans l'embarras. Dans ce jeu bleu, en fait, tu préférais le jeu rouge. Non, c'est que je sais que j'avais fait le jeu bleu, j'avais transféré tous les Pokémon qui étaient dessus et j'avais effacé la sauvegarde pour recommencer, éventuellement revoir, mais j'y suis pas allé plus loin en fait. Ah. Après, des fois, peut-être que je voulais juste un objet, enfin bon, il y a pas mal de choses à gérer dans une aventure Pokémon. Donc là, on va quand même. Et là, on peut attraper un Pokémon par exemple. On va essayer quand même de trouver des herbes folles. Dans les herbes folles. Avec mes deux. Alors, je pourrais aussi acheter. Il n'y a pas de magasin ? Oui, on est perdu. Il n'y a rien du tout dans on ce est perdu. Village. On va essayer d'aller par là. C'est adorable. Et un jeu se finit en combien d'heures ? Un Pokémon ? Non, une aventure de Pokémon, ça se finit en une trentaine d'heures. C'est tout ? Oui, parce que en fait, après, ça dépend. Il faut tout attraper ? Oui, mais il y a différentes. Non, il y a finir la ligue, par exemple. Il y a des gens qui rushent un peu leur jeu. Et qui peuvent accéder et finir la ligue en une trentaine d'heures. Maintenant, pour tout capturer, pour capturer tous les Pokémon, bon bah ça prend évidemment plus de temps. Voilà, niveau 26 là, ça nous ferait. Mais alors, est-ce qu'on va le battre ? Et là, c'est encore une autre histoire. Est-ce que ta Pokéball est assez forte ? Non, il faut d'abord que je l'affaiblisse avant lui balancer une Pokéball. Ah bah ça va pas du tout là. Oui, ça va pas du tout. En fait, c'est le jeu de la lose. Oh là là. Tu c'est qui Ah mais alors d'accord, moi il me frappe, je souffle du poison, enfin je veux et dire... toi quand tu l'attaques, ça fait rien. Ouais, entrave, on va... C'est quoi ? Oh, il te relance ? Ah, bah oui. Comme ça, il peut pas m'attaquer, voilà. Il peut plus m'attaquer avec charge. Oui, mais sauf en que fait, tu quand as on est faible... Ouais. Oui, mais bon... Tu perds deux à chaque fois. On peut l'endormir aussi maintenant. Mais il faut faire tout ce qu'on peut, hein. Bah, c'est ça. Trouve, hein. On fait tout ce qu'on peut. On a que 3 attaques. On lui met une entrave. On essaie de l'endormir. Voilà, il dort maintenant. Donc c'est maintenant. Maintenant, je peux sais qu'il dort. C'est marqué Mimitos sommeil. Ah, somme, ok. Et bon. Toi, c'est poison PSN. Ouais. Non, mais c'est ridicule. Même sommeil. On va y arriver. On va y arriver. Alors, je peux lui envoyer une Pokéball par contre. Alors, non, un dernier coup. Ah, il se réveille. Il se réveille. Bah, endors-le. Oui, bah oui, je fais ce que je peux. Allez, on espère que ça va l'endormir et derrière une Pokéball. Oh non, ça y est. Mimitos lance entrave. Hein. Et voilà, il est là. Oh, il nous a eu là. On va, allez, pour l'honneur, on va balancer les Pokéballs. Mais ça va pas marcher. Je suis pas convaincue. Alors, je peux aussi me guérir. Tu peux pas lui jeter de l'huile max ? Non, l'huile max, c'est pour récupérer ses points de pouvoir. Donc je c'est sais pas moi, j'ai tué des trucs. Je me guéris. Voilà. On va l'avoir à l'usure. À l'usure, on va l'avoir. On va dépenser tous nos sous sur des... Tu souffres du poison quand même. Oui, mais j'ai pas d'antidote. L'huile max, ça marche pas. Non, qu'est-ce que j'ai ? La pierre de lune ! Jette-lui une pierre de lune ! Non, c'est pas pour ça. Fouette-le avec la corde ! Fais quelque chose ! Je fais tout ce que je peux. C'est lui ou moi. À chaque fois qu'il nous attaque, ça descend de 20 points de vie, je pense. Et nous, c'est 3 par 3. Ah, bah on a perdu. Coup critique. On a perdu. Bon, bah écoutez, voilà ce que ça on donne. On n'aurait pas attrapé notre. Quand on lance un épisode de Pokémon de la loose, eh ben ça donne ça. Voilà. Bon, il reste un épisode à découvrir ensemble. On va. Le vert. Ah non, pas le vert. Le jaune. Donc, on va voir ça ensemble. Merci à tous. Bon courage et à bientôt. À bientôt.
les techs pyrolus. Tortom, Tétard, Mystère, Porufus, Raichu, Nidoqueen, Chetiflore, Starro.